Docteur Jobé Duval, du coup à Lyon, pour parler de la prise en charge d'Amiosel 3A-3B. Donc la première chose déjà, ça a été un peu évoqué juste avant, c'est la question géographique. Comment on s'organise? Et à Lyon, les hospices sont un peu organisés un peu comme à la PHP, c'est que plein d'hôpitaux répartis sur le territoire. Et donc, ça sera l'hématologie est située au centre hospitalier de Lyon-Sud. C'est Lionel Carlin qui est chef d'équipe spécifiquement sur le myélome et l'amylose. Et il y a de la cardiologie partout, mais le plus gros hôpital cardiologique où je travaille, c'est l'hôpital Louis Pradel. Donc, physiquement, déjà, on n'est pas au même endroit. Donc, on a le téléphone, donc ça marche très bien, donc on se contacte. Mais c'est sûr que ça limite les interactions, en tout cas physiques. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a pas la même expérience que Toulouse, qui a commencé en 2012 à faire beaucoup d'amylose. Nous, on est quand même plus jeunes dans la thématique. Ils ont toujours fait de l'amylose à elle, mais là, le lien cardiologue-hématologue est vraiment beaucoup plus fort depuis 2019, où là, vraiment, on a beaucoup plus de patients, un dépistage beaucoup plus important. Et puis, on a la chance d'avoir une communauté cardiologique lyonnaise, libérale et en clinique, qui est très bien sensibilisée à l'amylose, donc qui adresse quand même assez facilement les patients. Alors, on va être un peu plus dur que sur Toulouse, à Lyon, c'est que quand les cardiologues vont identifier une suspicion d'amylose, que ce soit en centre privé ou en libéral ou que ce soit en périphérie, on ne va voir le patient que si on a la scintigraphie osseuse dans le courrier, donc il a eu son échographie, sa consultation avec son cardio, et si on a un bilan immunologique complet. On ne prendra aucun patient en consultation si le bilan immunologique n'est pas complet. Si on reçoit l'électrophorèse, on va renvoyer. Donc, je vous invite à la télécharger sur le site du réseau Amylose, cette ordonnance qui est très détaillée sur ce qu'on demande à l'immunologiste à la recherche de la gaiapathie. Donc, la question était posée, comment faire en sorte que l'immunologiste réponde bien ce qu'on lui demande, c'est il faut faire la demande complète. Je pense que c'est déjà le minimum. Et comme ça, on a les examens. Et si le patient a la moindre anomalie immunologique, on l'enverra d'emblée en hématologie. On ne le verra pas le patient avant l'hématologue. Surtout si on a des ratios de Challenger qui sont très augmentés, si on a des suspicions cliniques très très fortes, on ne va pas voir le patient en cardiologie. On l'envoie directement du coup à Lyon-Sud pour le premier contact hématologique. Et donc, ils sont relativement réactifs, d'autant plus que les ratios sont très, très élevés. S'il y a une forte suspicion, à ce moment-là, ils vont voir les patients très, très rapidement, généralement dans la semaine, en consultation, où ils vont faire un premier bilan, donc le myélogramme, chercher les critères CRAB, donc avec un scanner osseux, le bilan biologique, la NFS et puis le bilan rénal. La BGSA, faite par des ORL sur leur site, et puis ils vont refaire une échocardiographie sur site, donc à Lyon Sud, ou bien un service de cardiologie, pour étayer la suspicion. Et puis, en fonction de ces éléments, on ira très rapidement à l'anatomopathologie, on fera très peu d'IRM, puisque nos délais d'IRM sont catastrophiques, donc on fera beaucoup d'anapath, et on ira très facilement à la biopsie endomyocardique. Donc la BGSA est faite par des professionnels, puisqu'on s'est rendu compte qu'en cardiologie, on ne savait pas faire de BGSA, donc autant laisser faire les professionnels pour avoir le plus de rentabilité possible. Et on ne passera pas par des re-BGSA, biopsie de la graisse sous-cutanée. On va, d'autant plus que la suspicion clinique et échographique est forte, on va à la biopsie endomyocardique d'emblée. On a la chance d'être un centre greffeur avec un niveau de greffe important. On fait plus d'une trentaine de greffes par an. Donc, on fait beaucoup de biopsies cardiaques. Donc, on en fait quasiment une trentaine par mois. Et donc, on va très facilement rajouter une biopsie. C'est à peu près ça, le ratio. Hein, c'est qu'on fait à peu près une biopsie pour amylose, une biopsie cardiaque pour amylose par mois. Et on a, du coup, des anapathes, donc le docteur Lara Chalabresse, qui est spécialisé dans la biopsie cardiaque et donc qui va effectivement nous dire si oui ou non il y a une amylose cardiaque à la biopsie. Et si on a la moindre problématique diagnostique, on envoie du coup au docteur Magali Colomba sur Toulouse en protéomique pour nous aider à faire la distinction entre une amylose TTR avec AMGUS d'une amylose AL.
et puis la thérapeutique. Donc la thérapeutique va se faire sur l'hôpital Lyon-Sud, donc en hématologie, elle ne se fera pas sur notre site. Et donc ils vont rapidement, dès la preuve anatomopathologique faite, donc que nous on va leur fournir grâce à la biopsie sur Pradel, ils vont commencer la chimiothérapie. Et là, nous, on fait du séquentiel. Nous, on va faire Velca, d'Andoxan, d'Aratumumab dans le premier cycle. On ne fera pas d'examétasone sur le premier cycle, et puis qui sera introduit seulement sur le deuxième cycle. Le Velcade, qui a un potentiel cardiotoxique et qui peut être mal toléré chez les patients 3A, 3B, surtout 3B, peut être administré sur notre unité de soins intensifs si le patient le nécessite. Et puis, chez les patients les plus fragiles, les plus âgés, il peut discuter également, mais ça c'est de l'avis de l'hématologue, de faire un traitement par daratumumab seul pour contenir l'amylose. Et le plus souvent, voire quasiment exclusivement, les patients sont traités en chimiothérapie sur l'hôpital Lyon-Sud, en hôpital de semaine, en hématologie. Ils ne sont pas faits sur notre site de cardiologie. Donc, nous, comment on s'inscrit dans cette prise en charge, c'est que on a un contact très très facile et très régulier avec les hématologues. Toutes les questions de ratios un peu anormaux, de MGUS et de TTR, on a le téléphone très très facile pour discuter de ces prises en charge et jusqu'où on va. Donc, le lien est simple et on va hospitaliser sur notre site tous les patients qui vont présenter une décompensation cardiaque en hôpital de semaine en hématologie, sont transférés sur notre site pour une décongestion, optimisation de traitement. En hématologie, mais comme dans tous les services d'hématologie, il y a une surveillance rapprochée sur les marqueurs de troponine et de NT-proBNP, qui peut être la réascension peut être, chez le patient en rémission, peut être un marqueur de récidive. Donc, bien entendu, ils font ça de façon régulière. Et puis, nous, sur Pradel, on va avoir le patient au maximum à 3 mois du début de sa chimiothérapie, le plus souvent après son premier cycle, et puis avec une échocardiographie et un Holter. Et puis après, en fonction de la réponse et de la symptomatologie, de la gravité du patient, bien sûr, on le reverra de façon plus ou moins répétée. Et de toute façon, on reverra que le patient soit en rémission ou non, ou actif. On le verra au moins une fois par an, ça c'est évident, et avec une échographie, on fera un Holter ECG semestriel. Ensuite, on a un contact très facile avec l'équipe de soins palliatifs pour l'insuffisance cardiaque, et donc on se sert de ces liens privilégiés pour aussi discuter du pronostic des patients 3B. Donc dès que le diagnostic d'amylose cardiaque 3B et AL3B est posé, on demande aux hématologues d'évoquer le pronostic, le mauvais pronostic. Ça, c'est très important, et pour pas qu'il y ait de dissonance entre ce que l'hématologue va dire, ma chimiothérapie marche vachement bien, vous allez voir, la quadrithérapie, ça fait baisser vos chaînes légères, ça va être super, et que nous, derrière, on dise le contraire en disant oui, ça a peut-être marché sur la chaîne légère, mais l'organe est quand même très très atteint, donc on est quand même assez inquiet. On a eu des fois cette dissonance comme ça, où l'hématologue était très très confiant, et puis nous beaucoup moins, donc maintenant on est raccord sur l'évocation en tout cas des deux côtés du pronostic très réservé sur les patients 3B. Et puis on a également une attention, on a la chance d'avoir une équipe d'USIC qui est très attentive et qui est également au fait que les patients, surtout avec une amylose L, qui vont être adressés chez eux pour un choc cardiogénique et donc qui sont mis sous dobutamine, ont une médiane de survie qui est catastrophique sur un travail de l'équipe de Mondor, et donc ils vont nous appeler très rapidement pour justement discuter de ces patients et qu'on aille informer le patient de la gravité de la pathologie et puis rediscuter avec les hématologues de ce qu'on fait. Il faut aller très très vite chez ces patients-là. Dobutamine, amylose AL, c'est une catastrophe. Et donc je vous l'ai dit, on a un centre greffeur, donc on va se poser la question aussi chez les patients ayant une amylose AL comme ça très sévère, 3A, 3B, s'ils sont jeunes, inférieurs à 65 ans, de l'étape d'après. Est-ce qu'on pourrait, si au niveau hématologique il répond et qu'au niveau cardiologique il décroche, est-ce qu'on pourrait le greffer ? Donc on va chercher des contre-indications qui sont spécifiquement liées à l'amylose, qui vont être l'atteinte digestive macroscopique. J'insiste sur le macroscopique parce que si vous faites des biopsies sur du tube digestif d'amylose, il y aura forcément de l'infiltration.
Ce n'est pas pour ça qu'il serait contre-indiqué. C'est vraiment des ulcérations au cou d'ongle qui vont saigner au moment de on va l'épariner de façon importante, au moment de l'ECMO. Donc, c'est une contre-indication à l'ECMO, l'ulcération digestive. Les patients vont décéder d'une hématémèse massive. Donc, on ne va pas brancher sous ECMO ces patients-là. On va également chercher, ça c'est fait par les hématologues, l'atteinte osseuse qui serait un équivalent de cancer métastatique. Donc, on ne va pas greffer des patients avec un myélome multiple des os. Et puis, idéalement, on recherche quand même une réponse à la chimiothérapie avant d'inscrire des patients. Bien entendu, tous ces patients sont discutés en équipe multidisciplinaire. Depuis qu'on a vraiment structuré la filière depuis 2019, on a inscrit un seul patient en liste d'attente de greffe. On a fait pas mal de bilans pour des patients les plus sévères à moins de 65 ans. Et malheureusement, on trouvait quand même assez souvent l'une des deux contre-indications, donc en disant bien que le patient, même s'il se dégradait, on resterait sur un traitement médical seul. Puis bien entendu, une fois qu'on a cherché ces contre-indications spécifiques, on va aller chercher les contre-indications standards d'une greffe cardiaque, donc le body scan, le cathétérisme droit pour l'hypertension pulmonaire, la fibroscopie bronchique et gastrique et la biologie élargie. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne sur Lyon. Ce qui est très très important, c'est la communication entre les différentes spécialités. Ce qui est également très important, ça va être la confiance qu'on a les uns envers les autres. Et c'est vrai que je trouve la grande qualité de ces masterclass, et merci à toi Thibaut de les organiser, c'est qu'on a tous découvert l'hématologie. On s'est tous intéressés à ça, il y a une formation très très aboutie. Ce qui fait que les hématologues, quand on leur parle d'amylose AL, ils ne nous prennent pas pour des guignols, ils voient qu'on est quand même formé, on sait de quoi on parle. Et ça, c'est grâce à la formation. Donc, du coup, on a vraiment une meilleure vision du patient et cette vision est partagée. Ça, c'est très, très important. Et merci de votre attention.